Majramovic aussi, auteur du but au match aller. Numéro 5, Papac. Ah, il est joueur de temps de Skak très attentif. Et ce ballon, eh bien, Berberovic préfère le laisser sortir. Et maintenant, c'est Mbouempenza qui intervient. Et on concède le coup de poing. Deuxième coup de poing pour les Bosniaques, je pense, depuis le début de cette rencontre. Et Spajic qui demande au public de jouer son rôle du 12e homme. Milinkovic est monté. Barbarez n'y va pas, mais Milinkovic est là. Oh, Barbarez à la descente du ballon et Milinkovic gagne le duel de la tête juste avant. C'est 1-0 pour les Bosniaques à la 61e minute. Barbarez, l'homme qu'il fallait tenir. On a été battu à deux reprises dans le rectangle. Et les fumigènes qui s'allument dans le stade. On a été battu à deux reprises avec un ralenti que l'on espère voir dans un instant. Mais Milinkovic, le défenseur du Lyrse, c'est lui qui a trouvé Barbarez. Bien solo au premier poteau. 1-0. Et Timmy Simons qui crie, qui encourage, qu'il faut y aller. Oh là là, ça va être difficile. Et là, entre deux défenseurs, Barbarez. Là, on revoit Milinkovic devant Timmy Simons. Et puis Barbarez qui vient, il est plus prompt que de Skakt. Voilà, on le verra peut-être mieux sur cette image, sur ce ralenti cette fois. La remise de la tête de Milinkovic entre trois diables. Et puis Barbarez, oublié un petit peu par de Skakt. Et maintenant, de l'autre côté, Anthony Van Den Boer au-dessus.